Et c'est désormais officiel, à partir de 2025, il faudra passer au moins 9 mois en France au lieu de 6 pour percevoir les prestations sociales. Maïalène Trémollet, cette mesure était réclamée depuis presque un an par le ministère du Budget. Oui, c'était une mesure voulue en 2023 par Gabriel Attal, alors ministre délégué chargé des comptes publics. Il avait fait de la lutte contre la fraude l'une de ses priorités, comme il l'avait expliqué au micro d'Europe 1. Moi, je souhaite qu'on relève la condition de résidence pour toucher les allocations sociales en France, résidence sur l'année. On passe tout à 9 mois pour bénéficier des allocations sociales. Ça sera à compter de 2024. 1 euro soustrait à la solidarité nationale, c'est de l'État qui recule. Concrètement, les aides concernées sont par exemple les allocations familiales, la prime à la naissance d'un enfant ou encore la prime vieillesse. Dans l'entourage du Premier ministre, on se félicite de la mise en application rapide d'une mesure de fermeté. Une mesure pour d'une part plaire à la droite, mais aussi montrer que le gouvernement est au travail dans la lutte contre la fraude sociale. On ne peut pas laisser le Rassemblement national dire qu'on ne fait rien, explique un conseiller de Matignon qui ajoute « L'objectif, c'est de faire plus et d'aller plus loin. La fraude sociale, que le Premier ministre qualifie d'impôt caché, est évaluée à plus d'1 milliard d'euros pour 2023. » Maïalène Trémollet du service politique d'Europe.